J'aime pratiquer mon français. Il y a des gens célèbres que j'ai rencontrés dans ma vie. Je vous parle de trois fois quand j'ai rencontré des gens célèbres. Ok? Premier. C'est une autre histoire quand je travaillais au centre commercial. J'avais peut-être 18 ans. Je travaillais dans le département des hommes. Je travaillais avec une autre femme, Rita. Rita est italienne. C'est important pour l'histoire. Rita est italienne. D'accord? Une soirée, Rita et moi, nous étions à la caisse et un homme distingué se promène avec un col roulé. L'homme et Rita parlaient ensemble en italien un peu aussi. Il flottait un peu. J'ai complété la vente pendant qu'il parlait. Il a payé avec une carte de crédit. J'ai vérifié la carte, le nom et la signature contre sa signature. C'était bien. Ils ont dit leurs adieux et l'homme a quitté le magasin. Après ça, Rita m'a dit, c'était Tony Bennett. J'ai dit, quoi? Elle a dit, c'était Tony Bennett. J'ai pensé un peu, je me souvenais le nom sur la carte de crédit et j'ai imaginé le visage dans ma tête encore et voilà. J'ai dit, oui, c'était Tony Bennett. Le nom sur la carte de crédit était son nom vraiment, Anthony Benedetto. Je ne le savais pas. Quel idiot j'étais. Mais j'aime bien Rita. Elle était très calme avec lui, comme il n'y avait rien. Très bien, Rita. Ok. Une autre fois, j'allais à San Diego. C'était après le temps que je vivais à San Diego. Peut-être je prenais les grades de mes étudiantes à la collège. Je ne sais pas. J'avais peut-être 30 ans. C'est un peu important pour l'histoire. Quand j'étais dans l'avion, il y avait un homme célèbre là. C'était Bow Wow. Je veux dire Lil Bow Wow parce qu'il est vraiment très court. Mais je le respecte. Quand nous sommes arrivés à livraison de bagages, je vois qu'il prend des photos avec des fans. Moi, je ne suis pas une fan de Bow Wow pour sa musique. Je suis un peu âgée, mais j'aime regarder des films avec Bow Wow quelquefois. Mon favori est Romance. C'est drôle et très amusant. Aussi, j'aime les patins à roulettes. Je veux apprendre à danser sur les patins à roulettes un jour. Alors, je prenais une photo avec Bow Wow, mais après ça, j'ai entendu son entourage qui fait des blagues. Ils ont dit les choses comme elle ne sait pas qui elle est et elle a pris une photo seulement parce que les autres ont pris des photos. Elle en rit.
ce n'était pas très sympa. Je ne suis pas un genre de ce type. Quand je vois les gens célèbres, je continue à marcher. Je pense qu'ils veulent leur vie privée. Je ne les dérange pas. Je suis sympa avec eux. Mais après l'entourage, oublie pas, wow. Mais c'est la photo. Ok. Enfin, il y a une autre fois. Mais je n'ai pas une histoire très amusante pour ça. Je veux seulement montrer quelque chose un peu intéressant. Quand je vivais au San Diego, je suis allée au Comic-Con, la convention. Une année, je suis allée. Je suis allée au Comic-Con. J'ai fait la connaissance de Bill Amend, je pense. Je ne sais pas la prononciation correcte, mais Bill Amend. Il est un dessinateur, le bande dessinée et Foxtrot. J'ai 18 livres de Foxtrot. J'aime Bill Amend et Foxtrot. C'était très amusant, mais je n'ai pas une grande histoire pour ça, pour ce genre célèbre. Mais je veux montrer le bande dessinée. Il a attiré pour moi. C'est le livre et la bande dessinée pour moi. Ok, sais-tu? C'est 3 fois quand j'ai rencontré les gens célèbres. J'ai pratiqué mon français un peu. C'est tout, je pense. Alors, à bientôt.